Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katox. Salut Katox! Salut! Et pour cette fois, on se retrouve sur l'écran de chargement, tout simplement pour que vous puissiez voir un petit peu où on est Katox, puisque sinon il n'y a pas moyen de vous le montrer malheureusement dans la campagne pour l'instant, vu qu'on ne s'est pas rencontré. Même une fois qu'on sera rencontré d'ailleurs. C'est globalement la misère. Ouais, on voit qu'effectivement t'as débarqué très 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 bas en Lustrie. Mais ça va, tu te poses là, tu dois voir quoi? Ça c'est une province complète, ça c'est, tu dois voir quasiment deux provinces complètes là. Pas loin de deux, ouais. Ouais, c'est pas mal déjà. Bon, c'est sûr que ça fait des sacrées lignes de ravitaillement par rapport à ta province de base, mais avec la flotte, normalement tu peux recruter directement, t'as même pas besoin de faire venir des troupes. Ouais, Ou faire du global. Ouais, j'en fais du global. Ok, donc voilà, comme ça vous avez un petit aperçu de là où on est Katox. Et puis bah du coup de là où on en est nous, alors on est beaucoup plus étendu, mais on le sait, on a un petit peu de mal à défendre les frontières. Je vais vous faire une petite pause du coup le temps du chargement, parce que bon, on va pas vous imposer ça, et on se retrouve tout de suite en jeu. Hop là, et on se retrouve comme prévu directement en jeu. Alors du coup, ça fait un moment qu'on n'a pas joué nous, on a le patch 2.3 qui est sorti entre temps. Et là on peut... Ça va donner. On va, ouais, déjà la sauvegarde a chargé, c'est plutôt pas mal. Nous de notre côté, on était en train d'essayer de survivre à des nains là. Et comme je vous m'avez parlé dans les commentaires hein, des stratégies que vous pouvez avoir, etc. Bah, la stratégie, hein, vous les connaissez maintenant, c'est de les user. On peut nous invoquer comme des gros sacs, plein de petites saloperies. Et eux, bah, on a détruit leur ligne de ravitaillement. Ils ont plus rien pour recruter. Donc bah petit à petit on va les faire tomber. Mais on n'avait plus rien à faire ce tour là a priori. J'ai fait un petit tour là rapidement, tous les bâtiments sont lancés. Donc on va passer le tour pour commencer cette partie, voir un petit peu comment le jeu recalcule tout ça. Alors. Pas directement. Corne. Oula. Ah, Scarbon qui arrive en mode vénère là. Très bien. Il a pas aimé qu'on reprenne des villes dans son dos, visiblement. Pas cool. Du coup, on va peut-être devoir changer de direction avec Pustule premier, on verra. Est-ce que tu penses que des lanciers squelettes peuvent résister à des champions du chaos de corne? Non. J'ai tendance à me dire que sans doute pas. Entre non et tu vas crever. En fait, je pense que le vrai problème, c'est Scarband dans l'armée, là. Parce que bon, il a du sanguinaire, visiblement, il a... Je sais pas ce que c'est, ça a peut-être un élu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'était enfer. Ok, il a fait... Je comprenais pas. Il s'est barré, il a cassé le siège. Et je me suis dit, pourquoi il a peur de mes deux troupes survivantes? Comment ça se passe? On va pas la faire, celle-là, bien sûr. Hein. Oh, on a quand même réussi à lui buter 21 mecs, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Du coup, il a pris la ville. Très bien. Mais y a rien dans cette ville. Hein. Zéro unité de garnison, quoi. Alors, ce que j'aimerais bien gérer, par contre, c'est eux, là. Les archers d'Oréon. J'aimerais assez faire un... Il a bougé ses armées, je sais pas pour aller où. J'aimerais bien faire un pacte de non-agression avec lui parce que j'ai absolument pas envie d'aller le chercher, de se rentrer dans sa forêt là. Ça m'emmerde au plus haut point, pour le dire crûment. Alors, bah oui, on a perdu une colonie, je sais, ouais. Jusqu'ici, rien de choquant. Et du coup, si je passe en marche normale, on est à portée. Alors du coup, il est en train de se refaire. Putain, il s'est déjà bien refait même, hein, le petit enfoiré. Tant pis, on va lui tomber dessus. Avec une armée un peu plus qualitative, du perse armure, etc. Wouah la vache! Je me dis que tu vas te faire éclater. Bah, on serait sur une victoire à la Pyrrhus, mais genre il resterait les héros et un Morgul quoi. Ah, mais en même temps, c'est sa saloperie de catapulte. Ah non, il a plus la rune explosive, il a une rune chercheuse maintenant sur sa catapulte.
Ruine de sanctuaire, défense experte contre les charges, immunité contre la psychologie. Ah ouais, non, bah, tant pis, on va la faire en auto. Hein. Je pourrais aussi encercler. Ouais, oui, non, c'est mieux. En fait. On va commencer à encercler pour éviter qu'il se régénère plus et commencer à lui faire un peu d'attrition. Toi par contre, tu fais un peu chier aussi. Ah, c'est pas des élus de corne, c'est des déchus de corne, forcément. C'est pas meilleur. Hein. Nous, on a des zombies en face. Ça va, non, on part gagnant, non? Oui. Bah, tout à fait. T'as pas l'air convaincu. Je t'entends, tu n'as pas l'air convaincu. Bon, on est obligé de se rester en marche forcée, mais normalement quand on est dans la ville, on n'est pas considéré comme fatigué. On a des murs, on a une garnison pleine. Franchement, ça peut passer s'il décide de tomber là-dessus. Puis s'il veut tomber là-dessus, Carnage, rien à foutre. C'est censé tomber, Carnage. Stuff and nonsense. Tu fais quoi toi? Endommager les murs, ouais, assassiner le héros, mais il n'y avait plus de héros, on les a tous assassinés, donc ouais, non, il n'y a plus rien à faire sur cette armée. Il n'y a plus rien à faire sur cette armée. Du coup, on va aller booster un peu la croissance dans notre territoire, tant qu'à faire. Cela dit, on va se placer là. Il n'y a pas moyen que le nain, même en marche forcée, nous arrive dessus pour... En renfort, hein, c'est pas possible. Je n'y crois pas. Ici, ça fait le taf. Ici on pourrait améliorer ça. 5 tours, 3000 balles. Ou ça plutôt, ouais. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux parce que si on fait des murs là, ça nous fera une ligne de défense. Et là il y a Findol qui se balade. On va investir. Alors, tu veux pas un petit pack de non-agression, toi? Vraiment pas. Et si j'ai de la thune à te filer, tu veux ou pas? Non. Non, tu veux pas. Mais ils nous aiment un petit peu plus, pourquoi? Parce qu'on tape sur tête en fer. Ok, très bien, bah, on va continuer de taper sur tête en fer, hein, pas de soucis. Hein. Zéro problème, j'ai envie de dire. Lui, il est blessé, Daedino. Et Jacob von Karstein. On n'a pas les sous. Bon, pour l'instant on va pas recruter de nouvelle armée, on va attendre de voir comment Von Karstein s'en sort. Et Scarband, qu'est-ce qu'il fait? Putain, il nous attaque le fumier. Il a encore envie, lui. Mais ouais, ils ont pas été le finir derrière là. Non, il nous attaque pas, qu'est-ce qu'il rend? Ah si, il nous attaque, putain, je voyais pas le symbole de siège, je croyais que s'était arrêté devant les murs, quoi. Non, ils lui ont laissé une cité. Et du coup, bah voilà. Maintenant, il s'est refait forcément. Et il sort de sa cachette et c'est sur moi qu'il tombe forcément. Bien sûr quoi. Logique. Pourquoi je vois pas les gens bouger? J'ai pas envie de s'accélérer pourtant. J'arrête de toucher la souris. Tête en fer n'a rien fait. Intéressant. En tout cas, rien de visible. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la bataille. Oui, non, ça on s'en fiche ça.
c'est les rebelles, ça, mais... Une vampiresse repaît de paysans sur votre territoire sans véritable raison. Tous meurent dans l'horreur au milieu de leurs hameaux et de leurs fermes sont à l'abandon. Alors, on peut prendre cette terre. Sire de Mourkane, je ne sais pas qui c'est. Et sinon, autorité moins 4 dans les provinces, non c'est bon. Je vais tenter d'enfermer leur armée au milieu d'une cité pour tenter l'attrition. Ça se tente, non? Bah ça se tente, tout dépend après s'ils sortent, ça fout la merde quoi. Alors ici, est-ce qu'il a bougé son armée? Non, il a pas bougé son armée. On va rester en éclaireur là, avec Chobiti. Alors on va mettre moins 10 de croissance sur cette cité pour qu'il puisse pas construire grand chose. Et puis bah là, s'il veut pas sortir Torek, on lui balance de l'attrition et puis voilà, ça fait le taf. Hein. Par contre, ici, on serait sur une défaite valeureuse, sérieusement. Mais qu'est-ce qu'il a au final? Sanguinaire de corne exalté, du sanguinaire de corne, 3 déchus. C'est quoi ce truc? Des chiens de corne, ouais. Des gargouilles, en vrai. T'as un corne, il level 16. Ah, ça pique les fesses. Scarbrand. Scarbrand, ouais. Ça va encore, non? Ouais, enfin bon. Y a pire. Hein. Yeah, oui, il pourrait être level 30, on est d'accord, mais. Je pense que c'est quand même lui le plus costaud de son armée, quoi. Mais du coup, l'affronter sans archer, sans les tours. Je pense qu'on va essayer de voir s'il tente de prendre le siège, tant pis, on prend un peu d'attrition, mais. Ça fait chier, mais bon. On va essayer de libérer Manfred assez rapidement. Bon, pendant ce temps-là, en même temps, on fait des. On fait des technos qui nous renforcent, donc l'un dans l'autre. Je pense qu'on va aller chercher peut-être les bêtes, on a quoi là? Point d'allégeance gagné. C'est fou ça. Nos funestes, les Vargates, les chauves-souris. Ouais. Je pense qu'on va aller chercher ça parce que j'ai l'impression que finalement les guerriers squelettes et les zombies on va les garder un petit moment. Ça reste l'essentiel de ton armée. Ouais, bah ouais, bah disons qu'on a des troupes potentiellement plus d'élite mais c'est pas tout de suite quoi. Alors ici, l'ordre public se stabilise un peu, bah tiens bon, on va améliorer ça, tiens, c'est parfait. Et là, est-ce que ça vaudrait pas le coup de recruter une armée pour aller filer un coup de main? Genre Jacob von Karstein là. Lanceur de sorts, expert en mêlée. Ça m'a l'air d'être un mec bien. Ah, il n'y a pas déjà tout ça, non. Pas possible. Résurgent de la non-mort. Ouais, il va falloir qu'on se bouge, donc on va y aller, on va recruter des nouvelles troupes, hop, voilà. On va prendre deux zombies parce que faut quand même du zombie. Et on va avancer un peu avec une armée, une demi-armée, et ça va nous faire gagner un petit peu de temps peut-être sur ce siège. Derrière, il faudrait qu'on fasse ça, qu'on tombe sur Scarbrand, oh. Et puis qu'on aille là-bas. Ouais. J'ai Tyrion qui approche du cimetière du Galion, j'aime pas ça. Ah ouais, s'il est pas bien défendu... Bah il est bien monté, mais bon, c'est pas non plus... J'ai pas grand-chose à proposer en défense, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il se ramène comme ça. Bah il l'a fait dans ma campagne bretonnienne. Il est resté genre 10 tours à prendre de l'attrition dans le cimetière mais sans jamais attaquer. Après il y avait Noctilus dans la ville donc ça a sûrement joué.
Alors, au prochain tour, de toute façon, je sais pas ramener une armée là au-dessus. Il faut au moins 5 tours. Et je vais pas laisser une armée sur place. J'ai déjà pas assez d'argent. Oui, puis tu perds pas si tu perds le cimetière, quoi. Tu pourras toujours. Ouais, mais chercher, ça m'ennuie un peu, quoi. C'est quand même la ville la plus développée. Ouais, je comprends que ça te fasse un peu chier, ça. Y a pas de. Bon, Scarband joue l'attrition, tout comme nous. Donc je pense qu'il va être temps de sortir là. On va recruter 4 comme ça, 1 comme ça. Et régénération en masse, aura de magie. Une comme ça. Ah oui, c'est vrai que je devais faire un truc. Je devais recruter des machines de guerre. Allez, c'est parti. On avance. Il est temps de punir les petits caisses. Voilà. On est quand même sur une victoire à la Pyrrhus. Hein. Vache. C'est pas très grave. On a fait. Vu ce qu'on perd, franchement, c'est acceptable. On va piller occupé pour prendre le petit pourcentage de résurrection. Ah, j'ai gagné tueur de vieux grincheux parce que j'ai tué, enfin j'ai vaincu Torek tête en fer. Oh, on a réussi à déverrouiller un régiment de renom de Vargeist. Bien ça. Ok, alors par contre on a bien douillé. Von Karstein est level 20. Ouais, on va prendre ça. Attendez, je peux prendre un truc. Ah, je peux prendre un truc ici. Alors est-ce qu'il s'est approché? Non, c'est au prochain tour que tu sauras. Yep. Le contre-animé, qu'est-ce qu'on va te prendre? Le regard de Nagash, ça serait pas mal un petit peu de DPS, tiens. Darkness comes. Shobiti, je t'ai pas vraiment monté pour le combat, hein. Ouais. Ah, je vais même pas pouvoir finir ces enfoirés quoi, je vais être obligé d'avancer, quel enfer. Alors, qu'est-ce qu'on a à recruter? Pas grand chose en plus. Alors, déjà le régiment de renom, on peut le prendre. Ça sera fait. Un arbalétrier sylvanien, je suis pas convaincu. Deux zombies, histoire d'avoir deux zombies. Là, il sort d'où ces tueurs de géants là? Possible ça? Je fais un petit tour pour gagner un peu de l'argent. Tu fais le tour de la diplomatie, tu regardes ceux qui veulent vraiment faire la paix ou un pacte de non-agression. Et puis tu ajustes l'offre et tu peux te faire quelques milliers supplémentaires. Ouais. Moi, pour l'instant, les revers font que c'est pas trop à l'ordre du jour. Le seul qui veut parler avec moi, c'est le fidèle de Nagash.
Et pour des trucs que j'ai pas envie de faire, genre un pacte de agression. C'est ici que ça commence à être tendu du stream. Là. J'aimerais bien qu'il lance l'assaut à un moment. Parce que le problème c'est que là, même en marche forcée, ça va être compliqué. Hein. Déjà on va gagner un petit peu d'avance là. Hop. Et je pense qu'on va peut-être quand même mettre Chopiti dans la balance. Non, faut qu'elle empêche les nains d'avancer. Allez, c'est parti. Ah, il lance l'assaut. Voilà qui est intéressant. Celle-là, on va la faire par contre. Et t'annonces en défaite de justesse. T'as quand même une bonne ligne de sanguinaire, quoi. Il y a quand même une bonne ligne de sanguinaire, mais on n'a aucun tireur de deux côtés, il y a des murs, il va falloir qu'il escalade. Tu le joues? Parfait. C'est chauffé. On a les lanceurs de sorts aussi, qui peuvent jouer. Il lance des sorts, Scarband? J'ai pas l'impression. Parce qu'il avait une jauge de magie, mais. Et c'est quand même corne à la base, quoi. Bah ouais, on est d'accord. Hein. Je vois mal commencer à caster des milliards de sorts. On est d'accord, mais du coup, je vois pas trop pourquoi. pourquoi les vents de magie. Mais bon. De toute façon, je pense que ça va vraiment être lui le problème. Alors, voilà, putain, elle a l'air compliquée cette ville. Alors du coup, il y a, comment ça se passe? Il y a un front là, et un front là, en gros. Et ça, t'as des trucs d'avant-garde, tu peux les déployer dans ma ville? Non. Non. Pas faire non, ça. Y a pas. Pas de moyens. Ce serait abusé, on est d'accord. Oh, ouais, c'est ça, faut pas. Le vieux bug, le vieux petit bug, quoi. Alors, du coup, toc, toi. Tu peux pas aller sur les murs. Pourquoi t'as une monture? Ah oui, il a une monture, merde. Ils peuvent pas aller sur les murs parce qu'ils ont des montures, les cons. Ah, toi, tu peux aller sur les murs. Ah non, c'est parce que tu voles. Voilà, du coup, encore mieux. Hop. T'as des bâtiments, t'as des trucs de siège. Ouais. Ah ouais, d'accord, t'as les chiens du chaos. Ouais, et t'as les chiens de corne. Et à côté, t'as les chiens de corne. C'est pas, ouais. C'est pas la même race. C'est pas le même gabarit, ouais. Non, on n'est pas du tout sur le même, la même ref. Quoi. Déjà, les chiens du chaos, ils ont l'air un peu plus vénères que les loups funestes. Sans déconner. Tac tac tac. Alors du coup, on va regrouper les troupes parce qu'il y a beaucoup trop de monde là. C'est complètement le bordel. Les zombies. On a combien de portes ici? Non. Quelques portes. Yop. Le chrono est en marche. Ouais ouais, je sais, je sais. Je fais au mieux. Je mets la pression. La pression psychologique. Toi ici. Vous pouvez pas venir vous. Ici. Toi là. Toi là. Ici, ici. Vous là. Toi tu vas te mettre par ici, toi tu vas te mettre par ici, toi là, toi là. Putain, y'a des unités mais partout dans cette ville, c'est un truc de fou. T'as une quantité de renforts, ils arrivent tout de suite. Ils sont tout de suite présents. Yep. Ah oui, c'est la garnison. Ah ouais, c'est la garnison, ouais. C'est donc cela. Et vous, pourquoi pas...
Ok, c'est parti. Soon, my legion, soon. Ah ouais, d'accord. Attends, mais je rêve ou Scarbrand il est rentré comme ça là? Il a l'air d'être rentré comme ça, c'était peut-être pas prévu, j'ai pas compris. Ah ouais, bah écoute, je peux même pas mettre pause en plus. Bon bah... Sérieux? C'est n'importe quoi. Tout du jeu. Ah mais non, mais ils sont pas sortis par la bonne porte, putain, quelle bande de nazes. Du ravitaillement, est-ce qu'on peut construire des trucs intéressants quelque part ici, mais ce serait bien. The summoning begins. Death magic. Crap. Sortie qui s'est mal passée quoi. C'est désagréable. Au possible. Vampire Lord. Love magic. Destroy them. Ouais, du coup la porte elle est ouverte quoi. C'est un peu la teuf quoi. Ah mais putain, j'avais pas vu, y'a tout le monde qui est en train de d'attaquer mes trucs là. C'est pas gentil ça. Oh, y'a tellement de trucs à faire partout. Bordel. C'est quoi ça? Necromancer. T'essaies de profiter de mes angles morts, je le vois. Yep, précisément. Y aller. Thank you.
Genre on se fait tirer dessus, par quoi. Ça n'a aucun sens. Ah, je peux pas lancer ça quand ils sont sur les murs en fait, c'est pour ça que ça ne marche pas. Je comprenais pas ce qui déconnait depuis tout à l'heure. Regardez-moi ces petits chiens qui essayent de se faufiler là. Et bim! Tu le sens quand Scarbrand y meurt ou pas? Bah, c'est pas à la base le fait qu'il passe à l'intérieur des portes, c'était pas forcément prévu, donc faudra que tu m'expliques. J'avoue le coup. Mais en fait, c'est parce que j'étais en train de sortir mes zombies, donc les portes devaient être ouvertes et du coup il est passé dedans quoi. Ça s'est ouvert, les portes sont ouvertes, se fermaient non-stop. Et j'étais genre, j'ai même pu passer des troupes avant même que les portes soient pétées. Bah ouais, je sais, j'ai vu. Je suis même pas sûr que les portes aient éclaté un jour. 296 morts pour Scarbrand, c'est propre. Ouais. Je crois pas que les portes se sont cassées. Hein. Mais en fait, je voulais retenter la même stratégie que j'avais faite avec les paysans bretoniens en sortant les zombies pour essayer de tenir les tours dehors le plus longtemps possible. Pour que des tours de siège, pour que les miennes puissent tirer le plus longtemps possible. Mais j'ai été surpris par Scarbrand qui est chargé bille en tête là. C'est corne quoi. Alors du coup. C'est... Ce qui est con c'est le Vargeist là. Le Vargeist, j'avoue, à un moment je me suis dit mais elles sont où tes gargouilles, je les voyais pas. Et j'ai pas du tout fait gaffe qu'elles étaient en train de dépioter les Vargeist. Elles ont fait un petit tour, tu sais, les gargouilles. Elles ont vu du territoire. Yep. Ah, Ah, non, merde, ils t'attaquent du coup sur le cimetière. Oui, ben. Ouais. Bah écoute, chacun son tour. C'est ça. Ouais. Ah, sauf que là, j'ai pas de ville. Je suis en sortie. T'as pas de mur ? Ah, t'as pas non. De mur au cimetière, même pas un une petite carte sympa quoi. Bon bah. Non, franchement, on va la jouer, mais franchement, je pense que je vais me faire dépioter quoi. Vu sa quantité d'archers, si je peux faire ouvrir en 4. Ah, oh, ils sont bons à distance quand même, la côte vampire. Pas énorme, hein. J'ai des escopettes. Donc ah, portée oui. 90. Après, c'est vrai qu'il faut que t'aies des troupes pour. Ouais. Bah écoute, c'est toi qui choisis. Je vois que j'ai du ravitaillement défensif, mais je sais même pas où je peux le casser. Pour moi, je suis en extérieur. Bah ça, c'est un peu l'un des soucis du patch, je trouve. C'est que, pour le coup, moi je suis de ceux qui trouvent relativement logique les batailles en extérieur quand t'as pas de garnison, etc. Mais par contre, niveau lisibilité... Sur la carte de bataille, il te dit pas si tu sors, si tu sors pas, il te met du ravitaillement défensif alors que t'en auras pas parce que tu seras sur... C'est vraiment merdique. Ah du coup tu l'as fait en auto ? Ouais, c'est des faits de justesse, je sais pas d'où il la calcule avec les armées, je vais juste me faire rouler dessus. J'ai même pas le temps de le toucher, que je crois qu'il a genre 8 ou 9 archers. Rien qu'avec ça, je fais quoi ? J'ai pas d'artillerie, que dalle. Ok. Tant pis.
J'irai le reprendre plus tard. Il l'a prise du coup ou il l'a juste pillée? Non, il l'a prise. Évidemment, il l'a prise. Bah, ça doit être en rouge pour lui, hein. Ça aurait pu être légitime de la raser. Hein. J'allais te dire, tu l'as fait, puis juste au moment où tu la lances, on arrête l'épisode et puis on la fera après, mais. Non, on la fait pas. On la fait pas du coup. Bon, par contre, Quentin, je suis quand même content. On a bien résisté à Scarbrand, même avec une vieille armée level 1. Mais alors, merci le buveur d'esprit, quoi. Entre l'objet que j'avais et la magie, j'ai dû t'en balancer une dizaine pour réussir à le faire tomber. Et t'as du bol qu'il ait même pas encore d'objet pour avoir un peu de régénération. Ouais. Ah bah, est-ce que tu peux avoir un ou deux objets Oh, les enfoirés. J'ai fait l'assaut sur une ville et l'armée était coincée dedans. Et puis en fait, ils se sont barrés par le port. Bon, oui. L'assaut de la ville sera facile. C'est bien joué. Bon, bah va falloir aller pacifier ces vampires du coup, mais on a éliminé Scarbrand, alors va falloir qu'on pousse l'avantage. Mais ça veut dire qu'on a une armée libre. Ah, j'ai eu assouvissement gore comme récompense pour avoir vaincu Scarbrand. Plus 8% de puissance des armes pour toute l'armée quand même, c'est propre. Cité souterraine découverte. Ah merde. Alors, c'est même pas chez moi. C'est dans les gorges de la mort, donc c'est même pas chez moi. Les objets. Ah. Du coup, c'est l'assaut sur la ville vide. Ça, quasiment rien dedans. Qu'est-ce que je fais? Je rase ou j'occupe? Je vais m'occuper, je vais essayer de me refaire une santé financière, parce que du coup, comme j'ai perdu ma capitale, là, d'un coup, je suis passé à moins 2000. Bonjour. Ça pique, c'est sûr. Ouais. Alors, tu peux prendre un petit étendard en os de liche, ça me paraît pas mal. Et ça, tu peux pas prendre. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre ce truc-là? Manfred, je pense que. On pourrait prendre ça. Ouais, bof. Et toi, voleur de cadavres, ouais, c'est mieux. Ok, on verra quand on aura récupéré Daideo. Bon bah, le buveur d'esprit, on va l'améliorer, hein. J'ai envie de tirer. Je m'occupe de la cité du crépuscule, enfin la citadelle du crépuscule, et puis je remonte et je vais faire coucou à Tyrion. S'il m'est pas descendu dessus entre temps. Je remonte et je lui défonce le cul. Bah, j'espère. Regarde Nagash. On va prendre l'évasion, ouais. Ça me paraît pas mal. Petit boost de bonus d'attaque de défense en mêlée pour un nécro. Alors du coup, qu'est-ce qui fait chier là? Il est en train d'attaquer ma ville avec un seigneur tout seul. Alors je veux bien croire que j'ai pas une garnison de fou, mais en plus il est capable de gagner, hein, je pense. En vrai, on pourrait prendre une charrette, ça m'embête. On va prendre un zombie. C'est con de prendre des zombies, mais... On s'est terminé l'épisode. Effectivement, oui, c'est vrai, on avait dit qu'on terminait l'épisode. T'as raison. On arrête l'épisode là. Vous en voudrez à Katox pour s'en être souvenu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.